revenir dans le sillage de Farah qui devra remettre cela car Tonis ne s'est pas laissé faire. Et Tonis est embarrassé actuellement. Son chef de file, Rox, est là quelques 150 mètres devant. On aperçoit les voitures qui le suivent avec Delgado. Et ce n'est pas à Tonis de faire le travail. Oui, alors qu'on retrouve les deux hommes de tête, toujours Delgado. Par une vingtaine de secondes, donc en troisième position, Farah, Tonis et Pignot. Et je me retourne car maintenant Amstein se trouve à peu près à 300 mètres des trois hommes et il est littéralement à la dérive. Ah, ça ne pardonne pas lorsque tout à coup on fléchit. Il faisait une bonne impression, Amstein, et compte tenu de son expérience dans ce genre d'arrivée. Et il va quand même se placer parmi les 7-8 premiers. Il a un coup de pédale trompeur. Il est tellement facile, on pense qu'il va démarrer, qu'il suit tellement facilement. Et puis il craque subitement, et c'est ce qui s'est passé. Quant à Delgado, il navigue un peu à propos de sa position des mains sur le guidon. Voilà, bien confirmé, d'être parfois les mains aux cocottes lorsqu'il se met en danseuse. Et préfère la situation des bras bien arrondis, avec ce mouvement particulier qui est son coup de pédale, sur un guidon étrangement descendant, un guidon un peu spécial. Oui, très large. Chacun d'un côté de la route, Rooks, dont on est au passage, refuse de tout le ravitaillement. Il est vrai que le temps est un peu plus frais maintenant et qu'au sommet de l'Alpe d'Huez, certaines fraîcheurs bien douces pour les coureurs cyclistes, nous est imposé depuis près de 2 heures maintenant. Donc maintenant lui aussi. Et il va peut-être se faire rejoindre par Amstein, mais je ne crois pas, car Amstein perd vraiment, vraiment trop de terrain. Vous voyez la position de Farah. Troisième position, à une vingtaine de mètres. Farah est en compagnie de Tonis, donc nous avons Pignot en quatrième position dans la course. Une seconde, Daniel, 21 secondes en ce qui concerne Amstein. 40 secondes en ce qui concerne Herrera. Herrera qui revient sur Amstein. Et le voici justement. Alors que je n'aperçois toujours pas Roland Pasek. Tout court, revoilà Herrera, suivi par un de ses supporters qui ont fait le voyage de Colombie depuis 2-3 jours et Amstein va être débordé par Herrera. Flander Jourvan, c'est le cas de venir. Il est surprenant Herrera, il s'est fait lâcher dans le col du Glandon, il est revenu dans la descente. Il est déconcertant avec lui, on ne peut jamais savoir ce qu'on soit 5 minutes plus tard. Et là, au moment où il a remonté à l'espèce, il était brillant, et point à saluer. Herrera, ça a été cela en permanence depuis le Glandon. Il s'est fait lâcher sans arrêt, il est revenu dans la descente, il s'est fait lâcher une nouvelle fois, et là, alors, il a entamé la montée de l'Alpe d'Huez, où il s'est aussitôt fait décrocher. Il s'est trouvé en compagnie de Motté à un certain moment. Est-il besoin de rappeler qu'Herrera occupe la 16e place au classement général? Il va effectuer, quoi qu'il en arrive de sa fin de course, une remontée assez sensationnelle. Il compte 3 minutes 28 de retard sur Bauer, alors que Delgado, en passe d'endosser ce maillot jaune ici à l'Alpe d'Huez, compte 1 minute 52. L'écart n'est donc pas très important entre Herrera et Delgado, qui accuse le coup sur cette fin de course. Oui, oui. Et 1 minute 10 pour Claverola, suivi à 20 mètres de Bauer, lequel se trouve suivi à 30 mètres de Pasek et de Denis Roux. Voilà donc la situation actuelle de la course pour l'instant. Bauer qui se dit facilité chez Roux que par rapport à Delgado maintenant. Il a pris beaucoup de vent, il est vrai, Delgado. Herrera, oui, encore lui. Il semble se reprendre, mais là c'est trompeur les images. Lui aussi utilise des développements hors série, à partir de là il est difficile de se faire monter. C'est comme en observant le slalomeur en bas d'une piste de ski à 2 minutes d'intervalle. Lequel est passé plus vite à tel fort qu'on ne saura jamais. Ça n'est pas visuel, il y a que les chronos qui peuvent enregistrer la différence. Herrera en tout cas se rapproche des motos qui suivent les hommes de tête et des voitures. Même je crois qu'il y a un coureur devant. Hein. Fait preuve d'un beau courage quoi qu'il en soit. Delgado. Ce n'est plus le Delgado de tout à l'heure, mais répétons-le, depuis 50 km environ, 10 km avant le sommet du Glandon, Delgado a fait éclater littéralement le peloton après avoir été si bien lancé par Omar Fernandez, son meilleur équipier du jour, et Roux, en moins de 200 mètres, a réussi à se porter dans le sillage de Delgado et réaliser là l'un des exploits de la journée, l'une des performances. C'est pas par hasard d'ailleurs s'il porte le maillot
performance 92. Oui, bien sûr, alors que nous venons de passer il y a quelques mètres le panneau des 5 derniers kilomètres. Et nous sommes en compagnie d'Herrera et de Pinho. Oh là 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 là, Herrera qui déborde littéralement Pinho. Alors voilà, ça c'est net, il est revenu dessus. Et nous sommes au panneau aussi des 5 kilomètres maintenant. Herrera, panneau des 5. Le voici, justement, il le franchit. Oui, oui, et qui lâche Pinho. Et Pinho. Ah, Herrera qui semble revenir. Ouais. Il a des kilomètres lancés, parfois étonnants en côte. Oui, oui, il semble revenir. Ouais, à 5 km de l'arrivée, tout reste possible, ça va de soi. Et ça fait 12 ou 13 minutes d'ascension. Mais les deux hommes de tête tiennent bien. Et Roux semble disposer de réserves qui lui permettraient de partir seul. À moins que Delgado se mette en retrait depuis quelques temps, en constatant qu'il n'arrive pas à creuser les écarts d'une façon très nette. Leur avantage a été quand même, Jean-Paul, tout à l'heure, de 1 minute 40. Et les voici ramenés à 35 secondes maintenant. Alors que derrière, on aperçoit Papara qui a dû peut-être perdre un peu de terrain. C'est le train, le rythme de Roux qui impressionne. Parce qu'il n'a jamais faibli, il ne change que très peu de développement. Herrera qui semble mieux que tout à l'heure. Hein. Encore une fois, avec lui, on ne sait pas, on ne se mouille pas. Il revient ouais, sur soit les voitures, oui, oui. Soit sur Paris. Il arrive à une grande vitesse dessus, parce que nous avons le même sentiment que si nous le suivions sur une moto. Je refais une tentative à propos de Jean-François Bernard, très éloigné, et Jérôme Simon intercalé entre les hommes de tête, mais à 8 minutes, et le reste de ceux qui occupaient les premières places au classement général. Alors Jean-François Bernard, est-ce que Gérard Rolls... Vous êtes toujours en sa compagnie. Robert ? Oui, Gérard. Oui, ça y est, mon micro a été réparé. Un petit problème dans la montée. Il n'a pas supporté la descente, en fait, du col de la Madeleine. J'ai l'impression qu'on est descendu à plus de 100 km à l'heure, doublé par les coureurs, un peu comme d'habitude, je dirais. Alors, les dernières nouvelles de Jean-François Bernard, il est excessivement loin. Étant donné que je ne vous entendais plus, on n'était plus capable de faire un top. Mais le dernier pointage était plus de 14 minutes, peut-être 15, 16, 17 minutes à Bourdoisan. Et en remontant pour réparer mon micro, eh bien, nous avons découvert un Sean Kelly complètement en galère, je dirais. C'est-à-dire qu'il faisait des zigzags sur la route accompagné par 4 de ses équipiers de la CAS, de l'équipe CAS. Et puis juste un petit peu au-dessus, 2 virages au-dessus. Jérôme Simon, toujours porteur pour l'instant du maillot de la montagne, mais lui aussi en très très grande difficulté. Alors attention, 14 secondes pour les deux hommes de tête sur les deux poursuivants. Tony Separa, 14 secondes. Et 33 secondes sur Herrera qui revient. Et une seconde pour sur Herrera, exactement. Je fais les tops en son nom. Ah, c'est fabuleux. Ah, le chronométrage qui nous est communiqué là. Et 31 secondes. C'est incompréhensible ça. Hein. Oui, mais c'est tout Herrera. Les images ne nous ont pas trompés. Elles nous semblaient très très. Et qui s'oblige à traîner un immense développement là sur la montée de l'Alpe. Il est sans doute de loin celui qui pousse le plus grand, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il aille très vite. Alors, je le répète, le style Herrera, ça ne s'invente pas. Les deux hommes de tête nous en aiment toujours, et c'est joli à voir, dans une belle harmonie, à la fois dans leur solidarité, le besoin de gagner ensemble, et puis pour le moment, de rester surtout ensemble, tandis que Roux relance un peu l'allure, soit pour prévenir le retour de Herrera. Alvaro Pinho à 1-7. Je vous donne toutes les positions. Oui, c'est Parra que nous avons aperçu devant la voiture du directeur de la course. Parra suivi de Tonis. Attention Robert. Top 1-34 pour Amstein. 1-34. Oui. Delgado semble accuser le coup. Hein. Oui, parce que Roux aussi impose une vitesse très nettement supérieure. Barrage derrière Herrera, décidé par le directeur de la course afin de ne laisser aucune voiture. Ça sera plus dur pour Herrera, du coup. À nouveau Herrera en difficulté. Oui, oui. Et pourtant, on observe à 27 secondes Delgado. Donc, il aurait repris 6 secondes sur 500 mètres de course. 2-8 pour Winan, 2 minutes 08 pour Winan, alors qu'Éric Boyer passe maintenant devant nous à 2 minutes 14 de retard. 2-14, et voici maintenant, dans quelques instants, le passage du coureur de la formation Z, Roland Pincec, qui passe à 2 minutes 20.
Chalon qui est déjà passé par Boyer. Donc des écarts déjà considérables et un public hollandais prêt à bondir au bord de la route pour encourager Roux dans la tradition hollandaise de l'Alpe d'Huez, Delgado. Delgado a du mal à suivre. Il a du mal à suivre, mais oui. Enfin il va prendre le maillot jaune et pourra dire merci à Roux sur la fin de course. Jusque-là, il avait tout fait sur 40 km. C'est bien partagé le travail. Un rapide coup d'œil au classement lui donnerait, si les positions actuelles sont maintenues, Delgado en tête du classement général devant Parra ou Herrera. Ah mais Boer, attention Boer, il n'est pas encore... Oui mais enfin, Parra n'est qu'à 3 minutes 9 et Boer était quand même signalé un peu en perdition derrière. En distance courte, parce qu'on parle toujours d'un écart chronométrique, 250 mètres environ séparent les deux premiers, Delgado, Roux, de Tenis et Parra, que nous retrouvons là, ici. Ça devient un coutumier pour nous. Ils reviennent. Parra et Tenis reviennent sur Roux et Delgado. À attendre un démarrage immédiat de Parra, mais Tenis devra le surveiller, et c'est peut-être lui, puisque Roux ne mènera pas la chasse, c'est peut-être Tenis qui serait capable de terminer seul. Et Boer vient de passer en force, Holstein. Excellent remonté, Boer. Tenis, quel écart, Boer ? Dites vous, Jean-Paul, s'il vous plaît. Pardon ? Quel est l'écart de Boer par rapport à Delgado ? L'écart de Boer par rapport à Delgado est de 1 minute et 15 secondes. Donc il conserve pour l'instant son maillot jaune. Il est au virage 3. Dans l'Alpe même, alors qu'il reste 3 bons kilomètres, Parra et Tenis, l'autre suivant l'un, viennent de rejoindre Delgado et Roux. Tandis que se rapproche d'eux, ça c'est net aussi, Lucio Herrera. Voilà le démarrage de Parra, qu'il était facile de prévoir, et Tenis dans sa roue. Ça c'est de l'histoire, mais en fait de la stratégie qui est facile à établir, on le savait. Mais Parra peut imposer encore un deuxième démarrage maintenant. Et s'il réussissait le doublé, vainqueur hier à Morzine et vainqueur aujourd'hui à l'Alpe d'Huez, ça ferait partie des belles passes de l'histoire du Tour de France. Oui, ça serait assez extraordinaire. Mais je pense que si ces quatre hommes arrivent ensemble au sprint, ça serait Roux ou Tenis. Oui, mais enfin, et l'arrivée ici en côte... Qui a profité du travail de Parra. Et Delgado est bien content de tomber sur un tel renfort, parce que Parra est en train de recreuser les écarts tout en cherchant à écœurer les trois qui le suivent. Mais le plus extraordinaire de l'étape, ça a été quand même Herrera, qu'on pouvait donner comme battu en haut du Glandon, qui a rétabli la situation et qui va certainement limiter les dégâts. Oui, enfin certainement, attendons de savoir, parce que s'il perd 2 minutes de plus, ce sont pas très graves. Là, maintenant, les minutes valent cher. Tenis, que Roux laisse partir alors qu'il fait la faute de négliger Parra, mais oh non, il est revenu avec une telle facilité, Roux. Et évidemment, ils sont gênés par les motos. Ils sont gênés. Ils sont dans les voitures. Le démarrage de Parra a été contrarié. Et Delgado, c'est à lui de prendre en chasse et en charge Parra, qui essaie de se faufiler au milieu des voitures, des motos, mais les motards eux-mêmes gênés par un public qui envahit la chaussée. Alors, il faudrait des barrières d'un bout à l'autre, évidemment. Il reste encore 2 km de course. Hein. Oui, et Claverola est passé à 3 km de course comme Boer, d'ailleurs. Il y a 1 km les sépare. Bon, les quatre restent ensemble. On a imposé aux motos de rouler derrière eux, mais il n'empêche que ce n'est pas facile de se frayer un chemin pour ceux-là. Et Boer, tric-trac, tric-trac, le téléphérique arrive quand même. Bon remont de pente. Boer arrive quand même à se maintenir à bonne distance. Et ce sera... l'un des faits du jour, oui, s'il conserve son maillot jaune, en tout cas, confirmation de la grande qualité de ce bonhomme, considéré jusque-là comme un gars ne manquant pas de classe, mais incapable d'être un vrai leader. Et c'est Roux qui est reparti. Mais quelle force, Parra ! Roux seul. Parra est obligé de partir, de lancer la poursuite, tandis que Delgado se met un peu à l'écart afin d'éviter la chute et que Tenis
Il n'a pas à opérer puisque Rox, son leader, a démarré. Ah, c'est encore une fin de course émouvante, passionnante à suivre. Oui, Gérard. Juste un petit point du côté des galères, on va appeler ça le côté des galères. Oui. J'ai rejoint Jean-François Bernard, il est avec Régis Clerc. Alors au point de vue technique vélo, je dirais, il est mieux, il est requinqué un petit peu, il roule beaucoup mieux que tout à l'heure. Ils ont lâché le groupe de 40, là maintenant. J'ai l'impression qu'il revient un tout petit peu dans l'allure. Il force un peu, évidemment, c'est normal. Nous sommes au virage 13 maintenant. Ça va terminer avec les virages. Oui. Vous vous rendez compte, on est 13 alors que j'ai cru comprendre que les hommes de tête en étaient aux 2, c'est ça? Oui, même plus. Roux est entré dans l'Alpe d'Huez, l'Alpe même, avec une nouvelle arrivée depuis quelques années, le passage sous un tunnel. Boer très encouragé à une trente environ de Roux, qui concourt à la fois pour la victoire et pour une belle remontée au classement général, puisqu'il comptait 3 minutes 47 et a démontré ses intentions aujourd'hui, dévoiler tout, c'est-à-dire qu'il se prend, et il a sans doute pas peur, pour un vainqueur possible du Tour de France. Tandis que Belliado, qui rêvait d'un maillot jaune, en restait ici à l'Alpe d'Huez, se contentera de la deuxième place, remontant également en classement, noté à une occasion qu'il a laissé échapper, peut-être demain, c'est pas jamais. Et Roux, sans faiblir. Extraordinaire finale. Ah oui. À s'écarter un petit peu, passer devant tous les grands hôtels de l'Alpe et puis se présenter en bas près de l'héliport de l'aéroport, on peut dire maintenant, avenue du Riffner. L'autre terminal de 300 mètres. Il finit très très fort. Oui, dans tous les sens du terme apparemment. Dernier kilomètre pour Roux, qui va aussi vite que les motos. Ça descend, ça monte là. Oui, on dirait, hein, d'un coup, ça monte. Oh, c'est formidable. Oui. C'est un petit pourcentage, 3 degrés environ. Mais c'est quand même un record. Terminé à cette allure. Il se montre prudent dans le virage en bas de la ligne d'arrivée. Fabuleuse cette course de Roux. Fabuleuse d'un bout à l'autre, mais il ne faut pas dissocier Delgado. C'est de santé provoquer une telle course à l'élimination de la première super étape en haute montagne. Et il y en a d'autres, j'insiste bien encore, dès la première journée en tout cas. La sélection a été faite nettement, durement, cruellement pour certains leaders qui étaient encore des vainqueurs possibles avant-hier. Et Laurent Fignon a sans doute bien fait de ne pas reprendre le départ aujourd'hui, parce que vous aura fait éprouver de sérieuses difficultés pour se maintenir jusqu'à l'Alpe d'Huez dans un peloton. Oui, Jean-Paul. Tennis et Delgado viennent de passer aux 800 mètres. Quant à Roux, il a encore 300 mètres environ à couvrir. 500 mètres. 500 mètres. Et finir en sprinter, qui croirait que cet homme, c'est... faire aujourd'hui trois ascensions comme le col de la Madeleine, 28 km, le Blandon, 22 km, l'Alpe d'Huez pour arriver après les fameux 20 virages. Un pourcentage impressionnant. Son dernier virage, plein de sûreté, de maîtrise, d'attention de tout. Et il s'en va vers la ligne d'arrivée. Les Hollandais, une fois de plus, sont comblés. Encore l'un d'eux vainqueur à l'Alpe d'Huez. La tradition voulait que ce soit surtout la ville de Bordeaux qui réservait aux Hollandais les gerbes des victoires. Eh bien, Steven Roux, vainqueur de plusieurs classiques ici sur la ligne, vainqueur de cette 12e étape, Mantine l'Alpe d'Huez, avec un écart qui va prendre des proportions intéressantes pour lui, puisque 20e, 3 minutes 47 du classement. Il voulait remonter. Deuxième, Tonis, l'équipier de Roux. Troisième, Delgado. Quatrième, Para. L'équipe PDM, dirigée par Jean Gisbert, et dans laquelle appartient aussi Van Der Poel, réalise donc un doublé. C'est extrêmement rare ici à l'Alpe d'Huez. Herrera pour la cinquième place, avec un retard ramené à 38 secondes. Ça devrait faire environ 50 secondes sur la ligne d'arrivée. Donc, sauve encore la mise et garde toutes ses chances de remporter le tour, si évidemment il connaît des jours meilleurs que celui
presque accablant pour lui d'aujourd'hui. Enfin, il a perdu près d'une minute quand même. Oui, il dépassera même la minute. Mais ça ne l'empêchera pas, lui qui est à 3 minutes 28, d'occuper maintenant une place parmi les 6 premiers du classement général. Il n'était que 16e jusque-là. Herrera donc, 1 minute 8 d'écart. Et Bauer, ça va être... Ah, ça va être juste le maillot. Ça va être juste le maillot, mais enfin Delgado ne va pas pouvoir le prendre à bord. Bauer et Clapeyrolla, qui sera le premier Français de la course aujourd'hui. C'est bien pour Clapeyrolla, très encouragé d'ailleurs sur cette pente, cette montée de l'Alpe d'Huez, surtout les lacets sont non figurés. 500 mètres encore. Bauer a ramené une bonne distance. Sur Delgado, attention, c'est que Delgado n'a pas le temps. C'est Delgado qui va avoir le maillot. Le chrono a démarré à partir de l'arrivée de Rousse. Alors Bauer, 1,52 évidemment maintenant. S'il s'agissait du tronc de Delgado, c'est lui qui endosserait le maillot jaune. Mais il faut attendre, je pense, que les commissaires puissent vraiment repérer tous les temps. Clapeyrolla pour la sixième place devant ce Bauer et sert en même temps de prévenir à Bauer pour l'imiter. Formidable Bauer, quel courage. Ah oui, regardez ce monstre qui se jette sur la ligne avec un courage et une force. Alors que Boyer arrive avec Winen. Winen Boyer. Les trois Français qu'on attendait, il y avait un sec. Il a été débordé sur la fin par Winen les Boyer, qui termine bien parce qu'on les a pointés plus loin tout à l'heure en écoutant Jean-Paul. Boyer qui marque un point d'honneur aussi, a tenté de gagner le sprint contre Winen, ancien vainqueur ici à l'Alpe d'Huez, donc forcément attendu, bien accueilli. Suite du classement, donc Boyer, Winen. Jean-Paul, Olivier. Oui, Robert, je suis en compagnie d'Éric Boyer ici. Bien, est-ce que vous pouvez, du côté des commissaires, savoir quelques secondes près qui a le maillot jaune? Absolument, absolument. Bon, je descends là. Je descends donc vers les commissaires. C'est Herrera qui s'exprime déjà, tandis que Hamstein va passer la ligne. Légèrement décevant, Hamstein, bien qu'il soit dans les 10 premiers. On attendait de lui aujourd'hui une opposition plus sérieuse aux grimpeurs, mais en fait, les grimpeurs qu'on attendait, c'est pas tout à fait Delgado, mais plutôt Parra, Herrera et Alcala. Il y a eu quand même Delgado, il n'y a pas eu Hamstein, mais il y a eu Rooks. Oui, il y a eu surtout Rooks et Tennis qui ont agréablement surpris. Robert Chabat. Oui. Delgado, maillot jaune. Oui. C'est ce que l'on pouvait imaginer, mais à quelques secondes près, étant donné qu'il faudra avoir 12 chronos à la main. Et Steven Rooks prend le maillot des grimpeurs. Delgado maillot jaune, Steven Ross, les grimpeurs. Ah oui, il a déjà celui de la performance qui réunit tous les classements. Oh, Hamstein, difficulté aussi à terminer. Denis Roux, excellente course aujourd'hui. Comme hier d'ailleurs, Denis Roux, homme solide dans la montagne. Alors que suivi de Pincec, équipier de Denis Roux. Denis Roux à Pincec. Le leader même. Pincec sur la gauche, casquette de traviole comme toujours. Mais qui a eu le bonheur de trouver sur sa route Denis Roux. Et du même coup, Pincec va se glisser parmi les 8 premiers du classement général. Une liste de laquelle disparaissent Simon, Rotin, peut-être Motet, mais qui sera quand même 6e ou 7e. Vizentini, c'est sûr. Trichelion, le Norvégien Koum. Nouveau classement établi donc ici à l'Alpe d'Huez. Pignot. Pignot qui en a terminé avec Arroyo. Jean-Paul. Dès que vous avez une minute là. Robert. Pardon. Oui, vous me recevez là? Oui, oui, très bien. Bon, alors, je suis en compagnie de Renan Pastec. Renan, une rude journée. Hein. Oui, c'est sûr. Bon, je pense que.
J'ai coincé un peu dans le milieu de l'Alpe. Le bas, j'ai bien monté. Et puis, au fur et à mesure que ça montait, je perdais des places. Mais bon, bah, oui, Jean-Paul. J'ai misé la pince. Jean-Paul. Oui, voulez-vous demander à Pincec s'il n'a pas présumé un peu de ses chances, puisque je l'ai vu essayer de lâcher Parra lorsqu'il a rejoint. Là. Il nous a tellement fait impression qu'on pensait qu'il allait réaliser une grande performance. Oui, Renan, on vous a vu tout à l'heure tenter de lâcher Parra. Est-ce que vous n'aviez pas un petit peu... Voici. Résumé de vos forces. Oui, tout à fait, mais bon, il y avait aussi le vent de face dans un certain moment de la montée. Je pense que c'est là que j'ai payé un peu mes efforts. Outre Delgado, quel est l'homme qui vous a fait impression? Bon, je pense que c'est quand même Roach, hein, parce que il a vraiment bien escaladé l'Alpe et puis le col d'avant. Et voilà, c'était donc les opinions à chaud de Roland Pape. Alcala et Arroyo en ont terminé. Cubino vient de franchir la ligne. Toujours à peine une vingtaine de coureurs. On rappelle donc le classement de l'étape. Roux, Stéphane Roux, leader de la formation PDM, devant son coéquipier. Véritable explosion, révélation, mais le terme est encore faible. De Tunis. Troisième, Pedro Delgado, qui endosse le maillot jaune. Quatrième, le Colombien, Fabio Parra. Cinquième, l'autre Colombien, l'inconstant, le merveilleux, le décevant, tout ce que l'on veut. Lucio Herrera, qui remonte dans les premières places du classement général, car il est encore limité à 1 minute 6 dans un mauvais jour. Sixième, Claverola, et termine maintenant Jörg Müller, de la PDM aussi. Quelle course de l'ensemble de cette équipe. Trois équipiers dans parmi les 15 premiers. Et deux aux premières places. Mais au classement par équipe, ils vont réaliser une grande performance. Oui, d'autant que les doublés sont rares. Hein. Voici qui arrive aussi à son tour, Zadrobilek. Robert. Oui, Jean-Paul. Non, c'est Gérard, là. Ah, Gérard, pardon. Nous sommes, je suis toujours en compagnie donc de Jean-François Bernard. Je ne l'ai pas lâché pratiquement de la journée. Montez. Donc il va un peu mieux, il n'est pas question à mon avis qu'il abandonne, maintenant il va terminer. Nous sommes à 5 km de l'arrivée, il est toujours avec Régis Clair, avec Gilbert Duclos-Lassalle, il est sur le point maintenant de rattraper Marc Madiot et Rudy Danent. Et voici seulement que franchit la ligne d'arrivée, avec 8 minutes 2 de retard, Charlie Mottet. Lui aussi est l'un des grands battus de la journée, Charlie, qui était si brillant sur les premières ascensions et qui a complètement capoté sur la dernière, la montée vers l'Alpe d'Huez. Jean-Paul, dans vos parages, assez mouvementé, assez surexcité, tandis que Caritou, le champion de France, à son tour, passe devant le juge. Qu'est-ce qu'il passait ? Charlie. Charlie est déçu, il ne veut pratiquement pas parler. Pascal Simon aussi passe maintenant. Ramirez devant. Ramirez a terminé. Roux a endossé un autre maillot. Charlie, qu'est-ce qui est passé? L'Alpe d'Huez. Charlie nous dit qu'il est à bout de nerfs. Vous me recevez? Oui, oui, très bien. Pourquoi? J'ai simplement, bon, la montée de l'Alpe d'Huez, complètement épié. J'ai été lâché tout de suite. Sinon, dans les deux autres grands cols, ça allait bien. Et puis, l'Alpe d'Huez, j'ai eu plus de force. Complètement sans force. Complètement sans force. Voilà. Vous avez bien reçu, hein? Oui, malheureux. Malheureux Charlie, qui croyait tant en cette fin de Tour de France. Handicapé, bien sûr, par un pignon complètement perturbé, mais toujours encouragé dans sa formation par les places obtenues par Pellier, par Pellier, par Simon, et qui donc pouvait y croire. Aujourd'hui c'est fini. Oui, bien sûr, alors qu'on a vu arriver Hernandez qui a fait littéralement exploser le groupe de tête qui vient d'arriver, qui a fait un travail considérable pour son leader Delgado, qui a peut-être présumé lui aussi de ses forces. Oui, mais ça, nous allons le savoir dès demain, puisque de l'Alpe d'Huez nous irons prendre les départs vers Grenoble et nous diriger vers Villard-de-Lans contre la montre individuelle. Là encore il y aura des surprises. Je crois que Jean-Paul dans la foule. Vous essayez de nous rejoindre. Roger Loget de Denis Roux ici. Alors, Denis Roux, est-ce qu'il y avait une tactique particulière entre vous et Renan? Notre tactique, c'était de faire le mieux possible, d'arriver le mieux possible ici. Et votre jeu pendant on a bien réussi ça à la matinée de l'Oblandon. Mais là, bon, dans l'Alpe, là,
l'Alpe, c'est l'Alpe et c'est difficile de jouer avec les meilleurs. On a l'impression quand même que vous êtes mieux que l'an dernier. L'an dernier, vous aviez accompagné les meilleurs dans l'école, mais cette année, c'est la mieux encore. Oui, bah, disons que je pense qu'avec avec les années, je prends de l'assurance du métier et peut-être que ça m'aide aussi pour me permettre d'être devant dans ces courses. Vous pensiez, vous personnellement, que Ronan Pinsac ferait mieux? Bah, j'espérais, mais vous savez, bon, je trouve que Ronan a quand même pas trop mal marché, faut pas non plus l'enfoncer. Il est moté et loin derrière nous, et bon, il y a encore les Pyrénées, et bon, bah, c'est pas fini, hein. Ronan peut encore aller finir dans les 5 premiers du tour, je pense. Voilà, l'opinion donc de Denis Roux. Les années se suivent pour Pedro Delgado. Les premières étapes de montagne se présentent et il endosse le maillot jaune. Souhaitons-lui une meilleure fin l'an prochain. Il vient de recevoir les félicitations de M. Jacques Delors, président de la Commission de la Communauté Européenne, que l'on retrouvera tout à l'heure chez Jacques Chancel. Pedro Delgado, maillot jaune du Tour de France, avec quelques secondes d'avance sur Steve Bauer. C'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, l'étape, une fois de plus, a été admirable. Je vous rappelle simplement qu'à un moment, les coureurs comptaient plus de 40 minutes sur l'horaire le plus rapide, c'est vous dire. Nous en terminons de ce reportage en deux parties, en espérant que vous l'avez apprécié, en tout cas que vous avez su beaucoup de choses sur ce Tour de France que tous les suiveurs n'ont pas le privilège de voir. Décidément, les caméras, et quand le travail est bien fait, les caméras, avec leurs images, nous racontent tout. Pierre Badel et la SFP, Raymond Poulidor, Gérard Holz, Jean-Paul Olivier et Robert Chapat. Non, Gérard, je pense que... Juste, oui, le dernier point. Nous sommes à 4 km de l'arrivée avec Jean-François Bernard. Et il a d'ores et déjà plus de 15 ou 16 minutes de retard. Hein. Ah oui, beaucoup plus que ça. Écoutez... Il y a 12 minutes 34 qui sont arrivés. Si l'on en juge et que l'on décide d'attendre l'arrivée de Jean-François Bernard, non pas par sadisme, hein, vous vous en doutez bien. Non, je pense qu'il faut enchaîner maintenant avec la suite de notre programme. Ouais. Ici donc, Gérard, on vous attend sur la ligne d'arrivée. Jean-Paul en a terminé aussi de cette journée mouvementée. Quant à nous, nous allons redescendre tranquillement de la tribune de l'Eurovision afin de reconstituer un peu cette étonnante journée. Ici, l'Alpe d'Huez, à vous Paris, au moment où Jérôme Simon franchit la ligne avec un retard tellement important qu'il abandonne tout espoir de terminer parmi les 5 premiers du classement général. Mais il était si bon jusque-là, comme le Tour de France. Merci de votre attention. A plus tard. Il aime le cyclisme, et ça. On en aura déjà beaucoup parlé, ça. Parce qu'il l'aime vraiment. Et en pratique, vous sur la Bologne. À qui tu veux poser des questions? Oui. Oui, j'entends. Merci, oui, bonjour. Bonjour. Qui est là? C'est Christian. J'entends rien. Ah, Christian, tu vas bien? Et Pierre? Pardon, j'entendais pas. Maintenant, je vous entends bien, oui. M'appelle moi-même. Bon, monsieur moi-même, je suis heureux de vous saluer. Monsieur vous-même, c'est monsieur Magui. Dis donc, tu as dû t'amuser aujourd'hui, parce que ça a dû être formidable, non, à l'image? Ouais. Et tout était bien, le col de Gandon, c'était super. Ouais, ouais. Le Gandon, c'était magnifique. C'est dommage que Abadi soit cassé la figure, parce qu'il a fait formidable. Ouais. Il faudrait peut-être que ces hélicoptères ne nous emmerdent plus. Hein. Non, mais pour cause, il était en panne. Ah bon, il se tire. Bon, alors, tu veux que je dise un peu comment ça se passe à ma droite? C'est une idée s'il y a un cadreur qui pourrait suivre. S'il y a un cadreur qui peut suivre, là. Bah, t'as qu'à suivre avec la neuf. Frédéric. Bon, à droite, alors. Attention, là. À droite, ici, là. Jacques Delors. Hein? Ensuite, on va installer ici le maillot jaune, Delgado. Ici, on va voir le vainqueur. OK? Ensuite, ici, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Bon, en tout cas,
ici Claverola. Ok. Bravo, hein. Bon boulot. Qui enlèvera la casquette, parce que c'est pas joli alors à l'écran. Donc t'as vu, ensuite à gauche, là, alors Paul Quiles. Et ensuite derrière, les mascottes, et on va voir un peu comment les installent. Attends. Et tu as Yann Conta, je te le présente, tu m'entends Pierre? Pierre, il est à côté, à la gauche de Delors. Dis donc, hier, aujourd'hui, c'est bien, hein? C'était dur, hein? Non, mais c'est bien. Pas très bien. Tiens, qu'on va commencer tout de suite, là. Il n'y a pas les femmes? Il n'y a pas les femmes aujourd'hui? Bon, alors mettez-vous là, tiens, Thierry. Est-ce qu'ils sont équipés, là, avec les micros? Mais ben, on commence tout de suite, hein? Oui, il y a les femmes. Ah oui, d'accord. Il y a les femmes. C'est encore macho. Tu les oublies. Oui, non, non, ça m'étonne pas. Je ne les ai pas vu arriver, c'est pour ça. Je ne suis pas macho du tout, tu le sais. Quatrième étape et une première sur le Tour de France 1988. Aujourd'hui à Morzine, le Tour est mixte. Hommes et femmes prennent le départ au même endroit et ce sont les hommes d'ailleurs qui vont partir les premiers en ce jour. Qui sera reprise un peu plus tard par le peloton. C'est Canins qui devance Longo au sommet. Sur l'autre versant,
L'Italienne Imelda Chiappa et l'Australienne Liz Epley décident de filer au plus vite vers Albertville. Les deux jeunes femmes mènent la descente tambour battant, même si, sans tambour ni trompette, le mini-peloton qui chasse à l'arrière et composé de 22 éléments ne s'en laisse pas compter. Si bien qu'après comptabilité, l'écart s'est réduit à 40 secondes, 12 km avant l'arrivée. Et pourtant, au bas de la descente et sur les routes plates, l'écart retrouve une certaine ampleur. À 5 km du but, les 5 possèdent 50 secondes de crédit. Et puis, les ambitions qui s'enflamment à la flamme rouge, et surtout, Longo, qui soigne son sprint une nouvelle fois. Et la Française remporte sa deuxième victoire de suite devant Chiappa et Canins. Finalement, avec le jeu des bonifications, Jeannie Longo possède désormais 19 secondes d'avance au classement général sur Maria Canins. Demain, repos pour ces jeunes femmes. À vous tous, bonsoir. L'une des étapes reines de ce Tour de France, nous voici à l'Alpe d'Huez. Alors, Morphine, Alpe d'Huez, 225 km. On décolle le col de la Madeleine, le col du Glandon, et puis cette montée que l'on connaît sur l'Alpe d'Huez, cette montée tout à fait extraordinaire. Alors, une étape meurtrière dans un décor splendide. Toute une dramaturgie, des chutes, des retards. Il suffit de savoir tout ce qui a pu se passer au cours de ces tournées. Tout a commencé mauvaisement avec l'abandon de Laurent Fignon et puis Jean-François Bernard qui a pris vraiment le retard que l'on sait. Ensuite, Charlie Mottet qui n'est pas comme on aurait pu le souhaiter vraiment au premier rang. Et puis aussi des révélations. Les révélations d'abord de nos mascottes, et je le dis d'une manière tout à fait heureuse, avec Henri Abadie qui a passé d'une manière belle le col de la Madeleine, et puis Éric Boyer qui a fait une fin de course tout à fait remarquable, et on pourra parler peut-être encore avec nos invités de ce fait qui commence à devenir grave, c'est que les coureurs, souvent, doivent se mettre au service de leur leader, et ils attendent, ce qui est tout à fait normal, mais dans le même temps, ils perdent beaucoup, beaucoup de minutes. En tout cas, belle journée pour un 14 juillet où il n'y a pas de Français en tête, mais il y a tout de même un Français qui a fait une belle course, c'est Thierry Claverolla. Thierry, je crois que vous avez toutes les raisons aujourd'hui d'être heureux. Vous êtes arrivé à 6e dans cette course. Hier, déjà, tout avait été parfait de votre part. D'ailleurs, je vais demander à Pierre Badel de nous donner le classement de l'étape. Je crois que vous avez toutes les raisons aujourd'hui d'être un tout petit peu content. Oui, je suis quand même satisfait. Puis je vous en demander d'enlever les casquettes. C'est plus joli. Un visage sans casquette a beaucoup plus de rondeur. Oui, alors. Je suis quand même satisfait puisque hier, j'ai fait 2e de l'étape. J'ai gagné le sprint du peloton derrière Para. Oui. Et puis aujourd'hui, ça s'est quand même bien passé, même si j'ai connu quelques difficultés en haut de la Madeleine. Je me suis bien retrouvé dans la descente. J'ai fait une montée du col de Grandon. Bien. Oui, continuez. Et puis dans l'Alpe d'Huez, je crois que pour moi, c'est quand même mon terrain de prédilection. J'habite à 40 km d'ici à peine. Et j'avais vraiment un public très très nombreux qui était tout taqué à ma cause. Je crois que c'est vraiment hyper motivant et j'ai donné le maximum. Vous saviez qui était en tête? Non, je ne savais pas. Je savais qu'il y avait deux coureurs parce que en haut du Grandon, je me suis fait un petit peu la chaîne, je suis défoncé, je suis rentré avec 6 joueurs à la descente. Quand on est rentré, il y avait 2 échappés. Et bon, on attaquait l'Alpe d'Huez, on était un groupe de 7. Ça a carrément explosé dès le pied. Même si j'ai connu un petit peu de difficultés au pied de l'Alpe, je me suis bien retrouvé dans la montée pour finir cette fois. Alors, 6e après un vainqueur comme Rooks, vraiment un homme tout à fait remarquable
Pedro Delgado, qui d'ailleurs ce soir a pris le maillot jaune, hein, et qui est très très fatigué à la seconde actuelle. Je crois que cette place, d'abord vous la méritez bien sûr, mais elle va vous permettre de faire une belle fin de course. Alors l'avenir, vous le voyez de quelle manière maintenant? Bon, l'avenir, de toute façon maintenant, il va falloir que Delgado et Tony se contrôlent la course. Mais je pense qu'il y a encore de bonnes cartes à jouer d'ici la fin des Pyrénées. Pour moi, ça sera avant tout d'essayer de gagner une étape. Et on a encore des cartes à jouer, aussi bien les Colotti, Quesnot ou autres, qui sont capables de gagner une étape sur le plat ou en moyenne montagne. Alors, Ronan Pinsec a également fait une belle course. Vous pensiez peut-être faire beaucoup mieux. Et puis, au dernier moment, hein, les choses n'ont pas été conduites comme vous le souhaitiez. Hein. Oui, c'est sûr. Bon, j'ai bien escaladé le bas de l'Alpe. Et puis bon, sur la fin, j'ai coincé un petit peu. Bon, j'ai peut-être résumé un peu mes forces en bas, mais enfin, il faut dire que dans la descente du Blandon, je suis tombé. Non, pas du Blandon du premier col. Je suis tombé carrément dans le ravin. Bon, j'ai freiné trop tard et puis bon, je suis parti dans le marin, dans le Ramsac. La chute était dure. Ah ouais, et puis personne ne vous avait vu. Enfin, si, le coureur qui était derrière moi, mais les voitures ont tout attiré, quoi. Ça m'a fait une drôle. Et alors? Et puis, bon, heureusement qu'il y avait de l'air, mais... Aujourd'hui, quand même, c'est un beau résultat, malgré ce final qui n'était pas celui que vous souhaitiez. Oui, c'est sûr. Bon, j'ai toujours dit que je voulais limiter la casse, être présent, essayer d'être présent tous les jours. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait devant, mais bon, je suis quand même là, bon, malgré que je coince un peu. Bon, on reste encore trois bonnes étapes, y compris le contre-la-montre de demain. Bon, il faudra être présent tous les jours pour bien se comporter au classement général. Donc, Vous avez vu monter Pedro Delgado, d'ailleurs, il était notre invité il y a encore 48 heures, il vous avait dit à l'Alpe d'Huez, je serai là. Et il y était. Rook s'est passé, mais il assurait quand même le principal. Et ce soir, il se retrouve avec le maillot jaune, ce qui est un très très bon résultat. Hein. Oui, c'est sûr. Bon, il a attaqué à 2 km du sommet du Blandon. Oui. Rook a pris sa roue. Et nous, on a fait la descente, le petit groupe qu'on était. Et bon, bah, j'ai fait une moitié de la montée de l'Alpe avec Parra, puis avec Herrera. Et après, j'ai littéralement coincé. Vous êtes étonné par la non-performance, la contre-performance de Jean-François Bernard. Comment étudiez-vous cette course? Bah, vous savez, moi je pense que personne n'est à l'abri d'une défaillance. Bon, hier c'était quand même un signe, et aujourd'hui ça l'a carrément acheté. Quoi. Bon, moralement ça doit être dur. Moi personnellement j'ai vécu ce problème-là dans le Dauphiné libéré, et je sais que c'est vraiment très très dur. Thierry Claverolla, premier français en ce 14 juillet, mais sixième quand même au cours de cette étape. Vous pouviez prévoir, vous, une contre-performance comme celle de Charlie Mottet, de Jean-François Bernard, bon, l'abandon de Laurent Fignon, on en a beaucoup parlé, simplement on pense beaucoup à lui parce que c'est très grand. Il se passe avec les choses qui n'étaient pas prévisibles. Tout cela est un peu étonnant. Couvrez-vous, oui. Dans le vélo, on n'est pas à l'abri de contre-performance, la preuve. Bon, quant à Jean-François Bernard, je crois qu'il accuse quand même un gros retard, mais il a peut-être des pépins, je sais pas, il a peut-être des problèmes. Amigos de Colombia, aquí está RCN presentándoles este unilateral con dos de las grandes estrellas del ciclismo colombiano, Fabio Parra y Martín Ramírez. Estamos aquí con Fabio, que ha cumplido hoy una excelente actuación, ganó la etapa de ayer y hoy pues se hace presente aquí exactamente en la cuarta colocación a solo 22 segundos. Pues ustedes han presenciado la etapa y queremos que Fabio nos haga una opinión sobre lo que ha sido esta doble jornada, tanto la de ayer como la de hoy, que la muestra como uno de los candidatos también al título. Cela est suffisant. Aujourd'hui, ce sont vraiment les étrangers qui mènent le bal. Colombianos, y pues la verdad es que me encuentro bastante contento, ya que
nos encontramos bastante cerca de los primeros lugares y pues esperamos que las etapas que vienen nos sigan favoreciendo para así pues estar dando el tour al final. Martín Ramírez ha sido uno de los hombres más importantes en beneficio de Luis Herrera y del equipo colombiano. ¿Usted cómo piensa que ha sido el desarrollo de la etapa? Usted hizo un enorme trabajo, luego Herrera queda solo defendiéndose dentro de sus propias condiciones y llega aquí a 1:06, lo que no significa que se haya perdido la opción de luchar por el título, Martín. Sí, en realidad pues es una vuelta demasiado dura y pues todavía no se ha definido nada, ¿no? Sin embargo, hicimos un trabajo con miras a ver la posibilidad de que Lucho ganara la etapa, no se pudo, pero de todas maneras vamos a seguir en la lucha. La pregunta vale para los dos, ¿se sorprenden de la victoria y de la aparición de estos dos grandes y fornidos holandeses hoy en una etapa que era para escaladores? Bueno, sí me ha sorprendido un poco porque pues, no tanto por la etapa, sino porque digamos que a través del tour han aparecido bastante bien y todas las etapas de montaña pues también hemos trabajado bien. Martín. Sí, pues no solo ellos, ¿no? Sino otros corredores como el mismo Dier Bauer han demostrado una gran superación en la cuesta. Delgado es hoy el nuevo líder de la prueba. Se partió con Bernard como líder, como favorito, Moté igualmente favorito. Se habló también de Perico Delgado, se habló de Kelly, se habló de Fiñón y la mayoría de ellos han desaparecido. ¿El hombre a vencer es el Perico, Fabio? Bueno, sí, yo creo que en este momento pues, es el rival más difícil de tratar. Pues, a medida que transcurren las etapas, se va clarificando más y Martín, ¿qué opina? Bueno, indudablemente yo creo que Perico es el candidato número uno y después pues yo creo que Fabio puede tener bastantes posibilidades de hacer una opción. Yo creo que es una de las oportunidades que estamos más cerca. Han pasado los años, el sprint también ha evolucionado muy rápidamente y este año pues afortunadamente las cosas han salido bastante bien y estamos muy cerca de los primeros lugares. Martín. Pues sí, yo creo que él demostró ayer y en el día de hoy que también es uno de los candidatos a hacerse la victoria. Yo le deseo la mejor de las suertes y pues, mi ayuda desinteresada para que pueda hacer que vamos a hacer a este galardón. Las etapas que restan, porque apenas hemos asistido a la primera grande de montaña. ¿Usted piensa en alguna en especial, Fabio? ¿Tiene confianza en alguna en especial o le tiene temor a alguna en especial? Sí, yo creo que todas son de bastante cuidado porque son muy duras. Digamos que las etapas como la de hoy son bastante difíciles, sobre todo que hay que tener un gran trabajo. Usted tuvo la oportunidad de hablar con Herrera cuando venía del terreno plano, le manifestó que no se sentía tan bien en el ascenso. Bueno, pues sí, eso no hace falta que se lo digan a uno. Yo creo que en el penúltimo puerto pues no lo vi en gran forma, pero confiaba en sus grandes capacidades y por eso hicimos el trabajo que hicimos en el terreno. Ya. ¿Cuál es la gran virtud en este momento del ciclismo colombiano y cuál es el gran defecto, Fabio y Martín? Aquí a nivel del Tour, a nivel de las carreras europeas. La gran virtud, bueno, yo creo que digamos relativamente prudente, porque j'ai dit un poco por la modestia, ¿no? Y el defecto, yo creo que pues casi no lo hay, ¿no? Porque no es un defecto, digamos, que no rodeamos muy bien el terreno ya, pero digamos que sí es el punto más débil. Martín, usted que ha estado en equipos europeos también, ¿cómo me respondería a la misma pregunta? La gran virtud en este momento de nuestro ciclismo y el gran defecto. Bueno, pues la gran virtud yo diría que nos defendemos bastante bien en la cuesta, pero cuando hay más de 2 o 3 premios de montaña como en el día de hoy, pues se nos hace un poco difícil. ¿Ustedes cómo reciben la defección de corredores como Fiñón, como Jean-François Bernard, especialmente ellos dos, y también de Marte, que era uno de los grandes favoritos?
favoritos para el Tour y se podría hablar también de Kelly, por ejemplo, Fabio. Bueno, yo soy una persona que analiza muy bien esa porque soy corredor y pues dentro del ciclismo uno tiene que saber perder y yo creo que no todas las veces puede ganar, entonces si algunas veces caso de Kelly que no respondieron, pues es casi normal porque somos seres humanos y en cualquier momento pues, se puede perder, digamos, esa opción por un triunfo, ¿no? Igualmente, como uno gana, también puede perder. Por ejemplo, usted en el 86 se vio abandonando el Tour, por ejemplo, a causa de un golpe en una rodilla. Exactamente, yo creo que en ese año pues, no fue un año muy bueno para mí y son cosas que pues, debemos saberlas llevar. No todas las veces podemos ganar. ¿Y Martín? Sí, pues es una lección para todos nosotros, para los mismos aficionados que a veces no entienden un poco esto, ¿no? Todo el que corre en bicicleta es ser humano, tiene sufrimientos, se cansa y así es como grandes figuras como Bernard, como Fignon, el mismo Kelly, no se han visto bien en esta vuelta, pero han demostrado en otras que son grandes figuras. Fabio, hablando ya del futuro, como aquí se habla de contrataciones, de sumas, de contratos, de todo esto, ¿me quiere decir si usted ya renovó con Kelly? Bueno, no, todavía no firmaba nada, de todas maneras se está hablando con él, con el grupo Kelly, y pues yo creo que el próximo año Bueno, muchas gracias a Martín Ramírez, a Fabio Parra, dos grandes corredores de nuestro ciclismo, y voy a terminar este unilateral aquí dialogando con el entrenador del equipo. Amigos de RCN, vamos a despedir este unilateral que hemos servido con mucho gusto para ustedes, con una pregunta para el técnico de Fabio Parra, Rafael Carrasco. ¿Se seguirá luchando por el Tour? ¿Se puede ganar el Tour? Hay que seguir luchando, no cabe duda que Delgado está muy en forma, pero Fabio también, hoy lo ha demostrado. Entonces, el no luchar sería tirar la toalla y creo que eso no tiene que estar en el ánimo de Fabio, ni mucho menos. No vamos a decir que esta es la... Muchas gracias, Rafael Carrasco. No podremos decir que esta es la conclusión del ciclismo colombiano en 1988, pero sí que este es un gran año. La victoria de Lucho Herrera en el Dauphiné Libéré, la proximidad de Parra y de Lucho aquí en la disputa del título del Tour de Francia, pues han colocado indiscutiblemente al ciclismo colombiano en la élite y en el punto más alto al cual no soñó llegar seguramente cuando hace 5 años, aquí en este mismo sitio, apenas hacíamos la primera experiencia y Edgar, el condorito corredor, aparecía tercero. Lo de hoy ha sido el mejor síntoma de que Colombia puede seguir luchando por el Tour. Hasta pronto. Gracias. Également de la présence de Roux, et on a vu lui qui est un grand spécialiste des grandes classiques. Roux, vous avez vu ce que cela a donné à l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Hein? Formidable. Alors, Jacques Delors, vous êtes le président des commissions européennes, la Commission européenne, mais vous êtes surtout, et on le sait, et nous avons fait tellement de tours ensemble, vous êtes surtout un grand spécialiste du sport, un grand amoureux du cyclisme. C'est votre prise de contact avec le Tour de France. Alors, quel est le premier regard que l'on peut jeter après 12 jours d'étape? Tout d'abord, je n'avais jamais suivi une étape de montagne. C'est la première étape de montagne? Oui. J'ai pu m'échapper et j'ai eu la chance d'assister à une étape magnifique. Évidemment, les deux surprises du jour, ce sont les deux Hollandais pour moi. Je connaissais Roux comme un coureur de classique. Oui. Tennis avait beaucoup de classe, mais il était au service. Mais les quatre Français qui sont là ont quand même flatté mon esprit chauvin. Je suis content qu'il se soit distingué à tous les moments de la course. L'abandon de Fignon vous a frappé? Je pense que Tour de France est trop raisonneur pour abandonner. Nous allons accueillir sur le podium un autre vainqueur hollandais. Nous rappelons que toutes les étapes de ce soir, alors que termine, je crois que vous pouvez obtenir le maillot jaune de Steve Bauer, le grand canadien qui se sera bien battu dans l'étape. Directeur du Tour de France, il s'est aperçu qu'Herrera avait un passage à vide et aussitôt il a démarré et il a fait éclater le groupe dans le col du Glandon. Je crois que les valeurs sont un peu élevées. Une raison simple, c'est que depuis le début du Tour de France, ils ont roulé à 42 km à l'heure. Vous l'applaudissez, Steven Roux, vainqueur de l'étape de l'Alpe d'Huez. Véritable tour d'honneur avec vos applaudissements pour le corps de l'équipe PDM qui s'impose dans cette étape, le temps de vainqueur, 10h55, 40
34 secondes, moyenne 32,761, alors que nous allons avoir le sprint pour la deuxième place avec Gerd Jensenis, devant Delgado, troisième, et Fabio Parra qui termine à la quatrième place, avec un retard de 22 secondes, pour le Hollandais, alors que plus de temps, le À votre avis, Renaud Passe, vous retrouvez à quelle place? Bien, avec attention. Ce matin, j'étais 12e. Pardon? Oui, Pierre Manon, vous voulez bien vous poser. Oui, pardon. Dans les 10e. C'est une course incroyable, car les distances étaient vraiment là, on aurait dit vraiment entre les chronos et celui qui n'était pas prêt pour arriver. Il va sûrement y avoir ce soir beaucoup d'étapes. Le podium, un autre vainqueur hollandais, nous rappelons que toutes les étapes de ce soir, alors que termine, je crois que vous pouvez obtenir le meilleur jaune de Steve Power, le port canadien qui se sera bien battu dans l'étape d'aujourd'hui. Très très belle course de Steve Power. Commissaire, nous donnerons tout à l'heure. Voilà le classement général. Joël Ménard, je sais que vous m'entendez. Alors vous ne donnerez bien sûr pour le maillot jaune, car Delgado était à 1,52 au classement général. Et Bauer qui termine. Excellent, mais quelle course du coureur canadien pour conserver, pour essayer de conserver ce maillot jaune. Alors, monsieur Albert Bouvet, je sais que vous êtes quelque part par là, vous nous donnerez les différents. Cela est compatible. Cette fin de l'État et le sponsoring. Écoutez, je pense que la poste qui se veut, la poste de Peugeot 309, la poste 205 aujourd'hui, est un demandeur. Aujourd'hui, par la montre que leur et la poste est vraiment à ça, je vois quelle importance. Maintenant, elle est là dans le cadre du Tour de France. Moi, je vous vois tous les deux, Jacques Delors, Paul Pinès. D'abord, bravo, parce qu'on pourrait croire que parfois, vous faites, vous pourriez faire, en tout cas, des campagnes électorales en participant aux élections. Mais on vous doit...